Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Everglow. C'est un groupe qui était petit, qui est devenu gros quand même. Ça m'a hyper étonné de voir que ce groupe a explosé. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans d'Everglow, dites-moi pourquoi. Parce que je sais pas pourquoi ce groupe et pourquoi pas un autre. Genre, elles sont arrivées de nulle part et sont devenues super populaires. Donc du coup, si vous avez une explication, moi je veux bien. Bienvenue sur cette chaîne, je fais des petites vidéos réactions. Attention, disclaimer time. Je ne vais jamais faire pause lors de la réaction de ce MV parce que j'aime bien regarder le MV comme il a été réalisé et pensé par les gens qui l'ont fait et réalisé. Donc c'est-à-dire je ne fais jamais pause et du coup je risque peut-être de rater quelques trucs et si je rate des choses, bah c'est pas grave parce que c'est comme ça, c'est la vie. Je vais plus parler du MV que de la chanson parce que la chanson si j'aime bien, et bah c'est normal, si j'aime pas, bah c'est normal aussi, c'est les goûts et les couleurs. Et si t'adores Everglow et que tu détestes qu'on les critique, je t'invite à quitter cette vidéo. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne j'aime bien avoir des avis nuancés. Qu'il y a des choses que j'aime bien, je vais les dire et qu'il y a des choses que j'aime pas, je vais le dire aussi. Mais il y a des gens, même quand on dit qu'on n'aime pas quelque chose ou qu'on critique un petit peu, ils s'enflamment et ils s'énervent et ils deviennent fous. Donc si t'es comme ça, je peux comprendre que ça te blesse, etc. Mais alors du coup, ne regarde pas ma vidéo, arrête là maintenant et va voir celle de quelqu'un d'autre qui va adorer cette chanson ou cette vidéo. Moi, je peux pas savoir à l'avance, je l'ai pas encore vu, je me suis pas renseigné. Mais par avance, je préfère te le dire. Mais pour ceux qui aiment bien les avis nuancés, d'avoir des avis un peu différents, etc. Bah, bienvenue sur cette chaîne, t'es au bon endroit, tout simplement. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je le mets juste ici. Allez, c'est parti pour la réaction. Bon alors, je l'ai pas dit, mais ça s'appelle Ladida. Et avant de commencer la réaction, j'espère que ça va être dans un style un peu différent de ce qu'elles ont fait, parce que j'ai l'impression qu'elles ont déjà prouvé qu'elles pouvaient faire des bops et tout, mais je les attends un peu dans un autre registre, donc on va voir si c'est ça ou pas. À mon avis ça le sera pas parce que l'agence elle a vu que ce qu'elle faisait avant ça fonctionnait de ouf, donc du coup ils vont essayer de faire ça jusqu'au moment où les gens vont se lasser, mais j'espère quand même que ça va être un peu différent. Bref. 3, 2, 1, piou. Ouh, Gotham City. Là je m'attends Batman à sortir. Ça me fait un peu penser à Little Mix DNA avec les bâtiments et le côté un peu super-héros. Je sais pas comment les fans vont réagir à ça, parce que l'influence 80s elle est hyper forte, mais c'est génial quoi. J'attends de voir le refrain quand même. C'est un bon pré-chorus. J'aime bien leur tenue. J'en ai vu que deux, mais elles avaient des tenues un peu colorées comme ça. Je trouve que ça c'est sympa. Got no time for haters, you say it. Déjà, elles ont pas le temps pour les haters. Et c'est exactement ça, ma chérie. On n'a pas le temps pour les gens qui nous font chier. J'ai déjà pas assez de temps pour m'occuper des gens que j'aime bien, alors franchement, m'occuper des gens qui m'aiment pas, vraiment j'ai encore moins de temps. Ok, Gymnastic for your life. Ok, il y a de la new retro wave dans le son, il y a des années 80, j'entends un peu du Dua Lipa quand même dans l'inspiration. Il y a des scènes qui sont jolies. J'aime bien l'idée qu'ils aient quand même gardé l'inspiration ville, qui me semblait quand même être important vu que c'était l'intro du MV. Donc c'est vrai que toutes les scènes elles ont l'air urbaines, dans un club ou dehors quoi, ou dans une ville. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant, je sais pas s'il y a un sens entre chaque scène quoi. Les outfits sont vraiment bien. Et bah cette scène de danse là, c'est exactement la même que celle du début, mais elle est mille fois mieux avec ces outfits là et le jeu de lumière. Comme quoi il suffit d'un petit truc pour que la scène de danse elle passe de bien à génial quoi.
Le truc, c'est que je sais pas comment les fans d'Everglow vont accueillir cette chanson. Parce que c'est pas fierce comme elles étaient avant, où c'était beaucoup plus pop et hip-hop. Là, c'est vraiment la pop des années 80, c'est gros refrain. Et je sais que c'est pas spécialement ce qui est à la mode en ce moment. Les gens, ils aiment bien les trucs un peu plus dark, un peu plus hip-hop. Et bah, je trouve que, genre, honnêtement, je crois que c'est leur meilleure chanson. C'est hyper bien. C'est super bien produit, tout arrive au bon moment. C'est un bop. Vas-y, s'arrête comme ça. Bon, par contre, j'aime pas la typo, les Diddles, c'est pas beau. Si t'aimes bien ma chaîne, bah, sache que tu peux me soutenir via Utip et tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour parler de Everglow avec Ladida, alors je disais que je voulais qu'elle soit dans un style un peu différent, qu'elle change un peu de ce qu'elles avaient fait au début, parce que c'est vrai que pour moi ça se ressemblait quand même assez fort leur single. Et ben voilà, elles m'ont écouté, en tout cas elles savaient même pas que j'existe. Plutôt, elles ont entendu ma prière céleste. Et du coup, elles ont fait un titre comme j'avais envie d'entendre en fait. J'aime bien en fait. En fait, ce style-là, c'est exactement mon style musical. J'adore ce que fait Dua Lipa en ce moment. Allez écouter Future Nostalgia, c'est un super album. Genre, c'est peut-être le meilleur album de 2020. Vu que ça y ressemble un peu, que c'est dans cette mouvance-là, un peu 80s, un peu retro wave, Future Nostalgia, en fait, le nom de l'album de Dua Lipa exprime ça très très bien. Bah, j'adore. Le seul défaut que je peux trouver vis-à-vis de ce MV. C'est les scènes finalement, c'est-à-dire qu'elles sont pas moches, y a pas une scène moche, les outfits sont beaux, belles. Enfin vraiment, le MV il est bien fait. Maintenant, est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il est incroyable? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que c'est le meilleur MV de 2020? Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, même s'il y a des très bonnes idées, ça reste quand même assez... normal dans la K-pop, on va dire. C'est des choses qu'on a déjà vues, c'est soigné comme on s'attend d'un clip de K-pop. Il n'y a rien de particulier. Après, c'est pas non plus tous les groupes de K-pop qui arrivent à gérer leurs clips. Il y a des groupes de K-pop où leurs clips sont un peu bizarres. Mais là, c'est vrai que tout est vraiment bien bien fait. Maintenant, est-ce que c'est hyper original? Peut-être pas. Et c'est peut-être ça, je veux dire, ma seule déception, c'est que je trouve que la chanson, elle est tellement forte, elle est tellement originale, que je pense qu'elle aurait mérité un MV qui le soit lui aussi encore plus. Mais sinon, la chanson, rien à dire, c'est un pop, c'est trop trop bien. Je suis très content que Everglow revienne avec ce titre-là, en tout cas, pour moi, voilà. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé, mais bref, voilà, c'est ce que j'en ai pensé. Et j'aime beaucoup, je pense que je vais réécouter cette chanson, merci. Donc comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu sais t'abonner, bah welcome, bienvenue sur cette chaîne. En tout cas pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine, bye 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 bye. Annyeong.